السلام عليكم. في الفيديو السابق كنا توقفنا في المعادلة ديال لا دروات دو ريغريسيون. دونك اللي كنا لقينا هي y يقال 9.6 تي بلس 437.5. Par la suite, on va passer l'étape suivante qui consiste à calculer les coefficients saisonniers. Donc, rajoute le fichier Excel d'Yalla. Voilà, donc les données, les canaux. Donc, on va ajouter deux colonnes. Deux colonnes. La première colonne de y, ce qu'on appelle y prime. Y prime. On va dire tout simplement le rapport mabine y divisé par y prime. Voilà. Donc, on va commencer avec y'. Y', c'est tout simplement. Donc, on va remplacer t dans l'équation de la précédente, qui est 9 plus 6, 9,6 t plus 437,5. Cette t, à chaque fois, on va remplacer les valeurs de la, c'est-à-dire 1, ou 2, 3, etc. Ou on va remplacer les éléments de la. دونك لاحظوا معايا من خلال الاكسل كيفاش غنحسبوا هذه المساله. هذه كنجيو لهنا لهاد لا سيلول الاولى كديروا ايغال. دونك عندنا 9.6، ها هي عندنا هنا في هاد لا سيلول كنختاروا هاد لا سيلول H8 اللي فيها 9.6 وكنفيكسيوها بويسكو غادي تكون يعني غادي تطبق على لي زوتر سيلول كاملين. دونك كنفيكسيوها نضربوا دونك فوا تي عندنا هي واحد، ها هي ربعو لا سيلول الاولى واحد. دونك بلوس دونك 437.4 اللي هي هنايا كنشوازيوها وكذلك حتى هي كنفيكسيوها اونتخي. دونك كتعطينا لا فالور 447. دونك بيان سور هاد لا فالور هادي il va être généralisé sur le et appliqué sur les autres cellules. دونك الى حدود هاد لا 16e cellule هادي. D'accord. Par la suite, هنا il y a de la cellule là, il suffit parce qu'on dira le خارج ديال y sur y prime. Donc égal y عندنا هنا هي 524, c'est-à-dire les ventes réelles, d'accord, divisé par les ventes ajustées, les هما هنا 447. باش كنعرفوا شحال le rapport بيناتهم. يعني هذا le rapport هو اللي غيعطينا داك l'effet saisonnier. Donc, voilà. Donc, 1, etc. 17, etc. Donc, on va généraliser la cellule dans les autres. Donc, voilà. On va calculer les coefficients. Mais les coefficients, ce ne sont pas les coefficients saisonniers qui sont calculés. Donc, pour pouvoir calculer les coefficients saisonniers, bien sûr, on dit qu'on a 4 coefficients. Un coefficient relatif au trimestre 1. Un coefficient relatif au trimestre 2, un coefficient relatif au trimestre 3, un coefficient relatif au trimestre 4. Voilà qu'il y a 16 données. Donc il suffit de prendre la moyenne. Voilà qu'il y a la moyenne de quoi? Donc il y a maintenant le coefficient qui sera appliqué le trimestre 1. Va dire qu'on voit la moyenne des valeurs qu'il y a dans le trimestre 1 de chaque année. Trimestre 1 de chaque année. Année. Donc, on va essayer, maintenant, pour faciliter les calculs, on va essayer de nous écrire les معطيات ديالنا ou de nous mettre les معطيات ديالنا على شكل un tableau, بحال هكذا مثلاً. Donc, مثلاً, on va prendre le tableau ديالنا. Voilà. Donc, on va essayer, maintenant, هنايا. Donc, on a les trimestres d'Yonna, les années. Donc, on a un patron de les années maintenant. On a l'année N-4. L'année N-3.
n moins 2 et l'année n moins 1. Voilà, on a les trimestres. Donc, pardon, voilà. Je vais mettre le décalage, donc, machin mouchkine. Donc, voilà, je vais mettre le décalage d'Yenna. Donc, ma machin ischkel. On va essayer de mettre pardon. Je vais ajouter une autre colonne. Voilà, donc la colonne est dit. Alors, dites qu'on est à l'écran. Les trimestres. Donc, on a notre trimestre, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et le quatrième trimestre. Voilà. Donc, à tous les données d'Yann. Donc, on a le tableau d'Yann. Donc, on a les quatre premiers trimestres. Donc, les quatre premiers trimestres, on va les copier, on colle les hommes. C'est là, non. Tu vas donner une salle, tu vas le prendre. Je vais le prendre. Je vais le pour ça un décollage. Un et deux. Quatre. Voilà. Donc les quatre autres trimestres. Donc là, c'est home l'année suivante. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc voilà. Donc par la suite, on a fait de la colonne à dire, on a pour les coefficients saisonniers d'Yaouna. Tout simplement, les coefficients saisonniers d'Yaouna, on a la moyenne des coefficients relatifs à chaque trimestre. Donc là, on peut utiliser la formule des moyennes. D'accord. Donc, on a sélectionner avec les cellules. Donc, attaquons de la formule, bien sûr, à les généraliser. Hein. Voilà donc les coefficients saisonniers. La somme des coefficients qui sont très proche de 4. Idéalement, qui sont égal à 4. Donc, on va vérifier la somme de les coefficients. Donc, là, la fonction de la somme. Donc, ça va. Donc, on a une valeur très proche de 4. Très proche de 4. Bien sûr, on a 4, on a normalement on a des approximations. Donc, c'est une valeur très acceptable. Nisbelina, Néa. Très bonne 4, donc 4. Donc là, Dernal, elle est très bradée cette année. 4. Donc, par la suite, bien sûr, après le calcul des coefficients saisonniers, Radjina, l'étape finale, il y a les prévisions de vente. Donc, on va aller voir la vidéo, la Inch'Allah.